Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant mes valises que j'emmène avec moi à Paris. Tout d'abord, je remplis la première valise qui est la plus grande, je pense les 25 kilos si je me rappelle bien. Ou bien je sais pas, et j'emmène avec moi tout simplement mes pyjamas que j'aime bien et qui sont un petit peu chaudes, les pantoufles bien sûr, et des t-shirts, des sous-vêtements si vous voulez, et mes trousses. La première trousse qui est grande, j'emmène avec moi le make-up que j'aurai besoin et mes pinceaux. La deuxième trousse qui est moyenne, j'emmène avec moi mon démaquillant et mes crèmes. Et mon démaquillant de chez Bourjois qui est en forme de gel. Et la petite, tout simplement, mes coton-disques et une pince à épiler. La quatrième trousse, j'emmène avec moi mes vernis et ma lime. Et j'emmène avec moi mes bandes de cire de chez Carrefour. Et la machine, la grande machine de cire bien sûr. Et j'emmène moi avec moi ce petit sac de Babyliss pour boucler mes cheveux ou bien les lisser. Et tout cela rentre dans cette petite pochette. Et une laque si j'en ai besoin ou pas. Une crème pour corps et cette silk peel de chez Point, si j'en aurais besoin. Et j'emmène avec moi deux chaquettes dans cette valise et bien sûr mes espadrilles, mes bottines et une autre bottine de neige, mais bon. Et voilà, la première valise est prête pour être fermée. Pour le deuxième jour, cette deuxième valise qui a un petit peu de moyenne, je pense 15 kg. J'emmène mes jeans, mes débardeurs, mes chemises, mes sous-vêtements, vraiment tout ce que j'en aurai besoin quand je sortirai. Des sous-vêtements, bien sûr. Une brosse à dents et des chaussettes et encore des tops qui sont un petit peu chauds, un jean, un autre jean, une jaquette de sport. J'ai emmené avec moi une robe si j'en aurais besoin. Mon agenda. Et c'est tout pour cette deuxième valise. Après direction à l'aéroport, il faisait vraiment froid ce matin. J'ai opté pour une tenue un petit peu confortable parce que cela vient. C'est pour ça. Aéroport Rabat-Salé. Sans oublier mon petit sac à main que je vais vous montrer après ce qu'il y a dedans. Voilà ma tenue basique avec des brodequins, tout en noir parce que j'aime le noir. Un petit châle, et mon petit sac noir qui est mes billets, mon passeport et mon portefeuille.
d'œil. Après, je mets des écouteurs autour de mon cou, bien sûr, pour écouter de la musique. Et pour mon sac, il y en a dedans le PC. J'ai bu une Doliprane avant de partir. Et voilà, mes valises sont prêtes à être à l'avion. Voici mon vol, il était à 16h40. Et voilà, prête de quitter le Maroc, de laisser les gens que j'aime bien parce qu'ils me manquent. Voilà, l'avion a décollé avec succès. Il fait beau. Vraiment beau de là-haut. Le ciel est bleu, les nuages. Le vol a duré 3 heures. Voilà ce que j'ai devant moi, une trousse de maquillage pour renouveler mon make-up. Voici un truc de secours. Une bouteille d'eau, quelque chose à manger et mon câble pour rechercher mon téléphone. Voilà, c'est Paris de tout là-haut. Il faisait noir. Voilà le... l'atterrissage. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Désolée si je poste pas de vidéo les semaines parce que vraiment je trouve pas le temps pour faire le montage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo sera en ligne bientôt. C'est une surprise, bien non. J'espère que vous allez bien et je vous remercie pour vos supports et je vous aime et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.